J'avais envie de vous jouer la 16e étude de Philip Glass. C'est tiré de son deuxième livre d'études. Ça a été publié, ça, en 2014, mais joué pour la première fois 2 ans auparavant, en 2012. Vous allez entendre que le rythme là-dedans, des fois, il est un peu déstabilisant, un peu irrégulier. C'est parce qu'on est en 7-8, donc il y a 7 croches par mesure. Mais on est habitué, nous autres, d'en entendre 6, 8, 9 croches par mesure, mais 7, c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est ça la raison.